dropshipping, l'erreur de chercher des produits gagnants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de tous les débutants qui sont tout simplement feignants d'esprit, qui n'ont pas envie de réfléchir, qui n'ont pas envie d'avoir de bon sens et qui préfèrent croire au chant des sirènes, qui préfère écouter le chant des sirènes. Et vous le savez très bien, le chant des sirènes, qu'est-ce que ça fait? Ça nous entraîne au fond de la mer, ça entraîne les pirates, les marins au fond de la mer. C'est très séduisant, le chant des sirènes. Mais derrière, ça ne permet pas d'obtenir le moins, ça ne permettra d'obtenir aucun résultat, tout simplement. C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Donc, encore une fois, je ne souhaite pas m'avancer pour chercher la bagarre ou autre, parce que je sais que les produits gagnants, c'est ce qui est vendu par 99% des personnes sur YouTube. J'expliquerai également pourquoi ces personnes-là utilisent ce genre d'effet de levier. Je vais l'expliquer maintenant. C'est tout simplement parce que ça plaît aux débutants. Et on le sait, il y a beaucoup de débutants quand on fait des vidéos sur le dropshipping. D'accord ? Mon intérêt à moi, c'est de me dire que ces débutants, si vous en faites partie, vont regarder cette vidéo, vont se dire « Ok, peut-être, pour la plupart, vous allez comprendre la logique de mon raisonnement et l'illogisme du reste. » Et vous allez vous dire « Ok, bon, Benjamin, quelques-uns vont se dire « Benjamin, il est bien beau, mais ça a l'air très bien, je vais me trouver un produit gagnant, je vais faire un monoproduit, ça va me prendre une semaine, et ensuite, je serai tranquille, je vivrai de ma boutique. » Jusqu'au jour où ces personnes, ces malheureuses personnes vont se dire « Ah, mais ça marche pas, je comprends pas. Ah, mais je viens de laisser 3000 euros en mentorat via un mec que j'ai trouvé sur Telegram et que je connaissais pas, je lui ai donné 3000 balles parce que j'étais complètement perdu. J'ai laissé 3000 euros de publicité, de placement de produits, et en fait, je me retrouve en slip. Donc, ah, mais j'avais entendu parler de ce mec, Benjamin Gassi, qui semblait quand même avoir un peu de pognon, un peu de réussite. Il disait que, mais je croyais que c'était un fouteur de merde, je croyais que c'était une grande gueule, patati patata. Donc vous allez revenir vers notre façon de penser, parce que c'est la façon de penser qui est la plus logique, vous allez le voir, c'est la façon de penser qui se rapproche le plus du business, parce qu'on parle de business, qui se rapproche le plus des business physiques que vous voyez tout autour de vous, de la logique du commerce, dans le sens où la façon dont vous avez de consommer des produits au quotidien, tous les entrepreneurs que vous connaissez vont fonctionner de cette manière. Ça vous paraîtra beaucoup plus logique que de vous dire « je vais trouver un putain de produit gagnant ». C'est parti pour cette vidéo, on y va. D'après moi, c'est une façon hasardeuse de lancer un business. Et c'est souvent le propre des débutants, c'est d'y aller au hasard. Ce sont des mecs qui, pour la plupart, vous êtes ouvriers, vous paniquez et vous vous dites « bon, ben, je vais voir, fais voir le premier qui passe, qui a l'air un petit peu sympa, ou qui a l'air un petit peu d'avoir du charisme, ou qui vous montre une semaine de vacances à Dubaï ou une semaine de vacances à Bali. » Donc actuellement, je suis à Bali. Moi, je suis pas une semaine en vacances ou 10 jours en vacances, j'y vis. D'accord, je fais un tour du monde et je suis pas en sac à dos. Si vous suivez mes stories, je vous ferai des vidéos sur mon lifestyle. Je prends pas trop le temps parce que le but de cette chaîne, c'est avant tout de donner de la valeur. Mais vous allez voir que je suis pas n'importe qui non plus, sans me lancer des fleurs, en toute humilité, mais à un moment donné, je suis obligé de me présenter à ceux qui ne me connaissaient pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez le lifestyle de Benji, ça n'est pas une surprise. Voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Hein, je ne fais pas des stories une semaine par an où je suis sur un transat au bord de la piscine. C'est toute l'année, toute l'année, toute l'année. Et le lifestyle ne peut pas mentir à ce niveau-là. Donc, pour moi, vous arrivez et vous vous dites « Allez, je vais jouer au loto ». C'est une façon de jouer au loto. Pour vous, le business en ligne, le dropshipping, c'est un truc que vous faites le soir après le travail, dont personne n'entend parler. C'est des petites cachotteries que vous faites derrière votre ordinateur. Mais en fait, vous vous dites, c'est un peu comme les paris sportifs ou autre. Vous vous dites, je crois avoir la capacité, mais c'est très hasardeux, c'est très flou. D'accord ? Votre projet est très flou pour la plupart. Et voilà, vous vous dites, vous y allez à tâtons. Et vous dites, bah, si je tombe sur un bon numéro, sur un produit gagnant, sur le bon produit gagnant, il se peut qu'en glissant sur une peau de banane, je devienne riche grâce à mon ordinateur. Il se peut que je me fasse 500 euros de bénéfices. Alors, deux choses à vous dire, ça marche pas comme ça. Et deuxième chose, 500 euros de bénéfices sur Internet, c'est de la merde. Donc, quitte à vous investir, croyez-moi, vous allez pouvoir faire beaucoup plus. Parce qu'effectivement, le e-commerce et le dropshipping brassent énormément d'argent. Effectivement, vous pouvez vous retrouver à gagner de très grosses sommes d'argent, des sommes que je pense que vous n'avez jamais gagnées dans votre vie, en 6 mois, par exemple, si vous travaillez correctement. Ça, c'est tout à fait possible, puisque le dropshipping, je le rappelle, c'est un enchaînement d'effets de levier. On n'a pas de stock, donc du coup, bah, on peut aller beaucoup plus vite, on est beaucoup plus réactif par rapport aux demandes du marché.
Deuxièmement, on n'immobilise pas de trésorerie, c'est beaucoup moins stressant. La trésorerie que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour investir dans l'acquisition de trafic, par exemple, ou dans le fait d'apprendre de nouvelles compétences, ou le mettre de côté et le garder pour pouvoir organiser votre vie privée et en attendant travailler de manière peut-être plus organique, à savoir du trafic gratuit. Donc c'est, vous pouvez le réguler. Et autre chose, on peut toucher la planète entière. C'est ça l'avantage du dropshipping, c'est qu'on peut à la fois vendre en Australie, même si vous êtes dans un patelin en France, vous pouvez vendre en Australie, vous pouvez vendre aux États-Unis, vous pouvez vendre à Londres, vous pouvez vendre au Brésil, au Mexique, en Amérique du Sud, au Costa Rica, ce que vous voulez, au Canada. C'est ça l'avantage de ne pas avoir de stock. Vous n'avez pas de stock à envoyer, c'est très facile à mettre en place, c'est très facile à exécuter. Donc je trouve que ça vaut le coup de construire les choses de manière précise. Autre chose, il y en a beaucoup qui veulent faire ça de manière éphémère. Comme ils y croient tellement pas, ils croient tellement pas à leur capacité à réellement vivre d'une boutique, ben les mecs ils se disent je suis là pour bricoler. Voilà, ne soyez pas des bricolos, ne soyez pas les smicards du net, ne soyez pas les bricolos du net, ne soyez pas ce type de personne qui passe ici pendant 3 semaines, 1 mois. Parce qu'il était en pleine remise en question, parce que sa meuf elle vient de le quitter, ou parce que il a mal au pied gauche, ou parce que il a mal au fion. Soyez pas ce genre de personne et qui se dit et au bout d'un moment il abandonne et il repart travailler alors que cette vie il estime que c'est de l'esclavage et cette vie ne lui plaît pas du tout. Ne soyez pas ce type de personne. Soyez des personnes qui arrivent avec un vrai projet en tête, avec l'intention de durer. D'accord ? Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Internet. Vous pouvez durer, j'en suis l'exemple. D'accord, il y a plein d'autres exemples, il n'y a pas que moi. Mais c'est possible de durer. Par contre, il y a énormément de gens qui commencent, qui tâtent un peu le terrain et qui finissent dans les choux et qui repartent travailler la queue entre les jambes, j'ai envie de dire. Donc, pour beaucoup, c'est ça. C'est comme s'ils jouaient un ticket à gratter. La Française des Jeux, voilà. C'est bien dommage parce que derrière, vous avez la possibilité de changer votre vie avec un simple ordinateur et une Wi-Fi. Parce que c'est bel et bien les seuls éléments qu'on a tous. Moi, je bénéficie rien de plus, j'ai rien de plus que vous. D'accord ? À part des compétences, d'énormes compétences en plus que vous, effectivement, un certain bâti au niveau financier, donc une tranquillité d'esprit, une certaine trésorerie pour investir, etc. Mais sans ça, si je repartais de zéro, j'aurais juste plus de compétences que vous, parce que finalement, j'ai un ordinateur et une connexion Internet. Donc si je le fais au quotidien, vous pouvez le faire aussi. D'après moi, l'idée des produits gagnants, c'est vraiment fabriqué pour les mecs, pour les gars qui ont la flemme de réfléchir, pour les touristes, pour les gars qui mentalement n'aiment pas se creuser l'esprit, n'aiment pas se faire du mal. Parce qu'effectivement, quand vous regardez mes vidéos, des vidéos que j'envoie je sais plus combien de vidéos par an, j'en envoie énormément, hein, c'est un puits sans fond dans le sens où ces compétences, je les ai développées depuis 10 ans, c'est un domaine qui est ultra vaste, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. Quand on vous dit, je vous donne 10 produits gagnants, et avec ça, vous allez pouvoir les mettre en place, et vous allez pouvoir en vivre. C'est de la couille, de la connerie. Comment vous pouvez imaginer que ça marche? Comment vous pouvez imaginer que c'est réel? Vous êtes complètement à la masse, excusez-moi. Donc si vous avez 17 ans, 16 ans et demi, si vous avez 14 ans et demi, que vous avez vos premiers poils aux zizi, et que vous vous dites, ah ben, à la limite, le jeune, je le comprends, il est un peu naïf. Mais mec, si t'as passé 20 piges, 25 ans, 30 ans, 40 ans, je vois des mecs à 40, 45 ans, parce que nous on a des élèves de tout âge, qui croyaient encore aux produits gagnants, mais je me dis que vous vivez sur une autre planète. Soit vous vivez sur une autre planète, soit finalement vous avez été ouvrier toute votre vie et vous ne comprenez pas la manière dont on fait du business. Mais ça s'apprend, il n'y a pas d'âge pour apprendre, ça s'apprend. À mon âge, j'apprends beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en business, notamment en business en ligne, mes résultats me montrent que j'arrive à joindre mes compétences à mes résultats. Parce que c'est ce qui est le plus important finalement. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de réfléchir, ne faites pas de business. Si vous n'avez pas envie de réfléchir, faites autre chose. Travaillez pour un patron et à côté, le soir, vous rentrez à la maison, vous faites un petit peu de divertissement. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas envie de réfléchir, vous êtes tombé au mauvais endroit. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tronche, si vous avez envie d'être un touriste, ne perdez pas de temps avec ces conneries. Ne perdez pas de temps avec le dropshipping. Ne perdez pas de temps avec devenir riche. Devenir riche, les mecs, va falloir vous casser le cul.
si vous partez de rien, devenir riche, il va falloir vous donner du mal. D'accord ? Et il n'y a personne qui pourra vous faire éviter cette douleur. Il n'y a personne qui va pouvoir vous faire éviter le fait de se casser la tête sur un business. Le fait d'avoir des doutes, le fait d'y passer des nuits blanches, le fait de tout remettre en question, le fait de se dire « putain, mais je suis qu'une merde, c'est pas fait pour moi, les autres y arrivent et pas moi ». Voilà par quel stade vous allez devoir passer. Ce sont des stades obligatoires, on y est tous passés. Il n'y a pas un mec qui n'y est pas passé. Okay, il n'y a pas un mec qui n'y est pas passé. À part les gars qui montent des pseudo-escroqueries sur Internet. Mais c'est pareil, ces gars-là, ils souffrent de quelque chose à un moment donné. C'est que c'est extrêmement court terme. Donc finalement, les mecs sont là, sont des petits bidouilleurs. Tu sais, comme les mecs qui t'ouvrent la veste, qui disent « Regarde, les montres, j'ai des fausses Rolex, machin. » Le vieux mec dans une vieille ruelle sombre avec qui est un genre de rat, tu vois, de rat d'égout, quoi. Voilà, nous, on n'est pas des rats d'égout. Nous, on veut construire un réel business. Je suis désolé, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc voilà, on est là pour cogiter. Si vous avez peur de ça, je pense que si vous avez peur de ça, vous n'avez déjà même pas cliqué sur la vidéo ou vous êtes déjà parti. Parce qu'effectivement, moi, je vous présente quelque chose qui a l'air beaucoup plus compliqué que ce que les autres présentent. Mais je suis désolé, c'est la réalité du business. Et je peux vous dire que le business est encore plus compliqué que ça. Sauf que vous allez y arriver graduellement. D'accord ? C'est graduellement que ça va se faire. Ok ? C'est petit à petit. C'est petit à petit qu'on arrive à faire les choses. Ça se fait pas d'un coup. Aujourd'hui, si je vous présente par exemple mes systèmes, ça va vous paraître ultra compliqué. Vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Mais c'est juste petit à petit, j'ai rajouté des choses. Comme quand on construit une maison, quand on fabrique un mur, c'est exactement ça. C'est pierre par pierre, brique par brique. Donc toi, tu arrives et tu dis, putain, il a construit un château. Ouais, mais le château, il a commencé par un premier tracé, il a commencé par une première pierre. Et voilà comment aujourd'hui, tu as un château, tout simplement. Vous devez désirer votre business. La solution, elle est là. Vous devez le désirer, votre business. Vous devez l'imaginer. Vous devez le kiffer. Vous devez adorer ce truc. Comme un vrai business. Vous devez vous dire, je vais checker juste si ça enregistre, je suis désolé. Mais avec Benji, on aime bien l'impro. Voilà. Ça, on va pas couper au montage. Voilà, c'est super. Donc là, je suis dans mon social club. Donc j'ai mon fils à côté. Il y a un genre de water park. On a le sport, on a tout. Derrière, vous avez la piscine olympique, je vais vous filmer un peu le contexte, vous voyez, bougez pas, on va vous filmer le contexte. Hein. Vous voyez, c'est pas dégueulasse, et là-bas vous avez des toboggans, et là-bas vous avez ma salle de sport. Ok, et là la petite piscine olympique, bien sympa, avec la table de ping-pong, oui. Comme ça vous voyez où est-ce que vous êtes posé. Vous êtes posé là les mecs, j'espère que le cadrage sera bon, mais bon, ça devrait aller. Ok. Donc, on en était où? Voilà, votre business... Vous devez le fantasmer. Votre business, vous devez... Ça doit être comme un petit bébé. Quand je vois des mecs qui montent des trucs complètement impersonnels. Oh, il m'a dit de prendre ce produit, et ils sont très froids. En fait, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça marcherait? D'accord. Ceux qui réussissent, mes étudiants, les plus performants, ils sont amoureux de leur business. Les mecs kiffent leur business. Et putain, même, hormis l'argent, c'est comme ça. Je vais tenter un truc, je vais me fabriquer un micro. Bougez pas en live. Mais c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est pas beau ça, regardez. Donc les mecs, moi je le suis, mais moi je suis un passionné. Mais même les mecs qui réussissent, qui ont des profils un peu moins passionnés que moi, je pense à tous mes étudiants qui ont tout cartonné, ceux qui ont le plus réussi, les mecs adorent leur boutique. Leur boutique, ils l'ont depuis 5 ans, depuis 3 ans, 5 ans. Je pense aux premiers membres de l'autoroute du dropshipping qui sont avec nous et qu'on a accompagnés. Les mecs sont sur la même boutique et ils la kiffent. Ils n'ont pas changé de niche. Ils ont fait une autre boutique en 5 ans à côté pour développer les sources de revenus. Mais sinon, ils ont adoré leur projet. Leur projet, ils en ont parlé à leur famille. Leur projet, ils ont fait, quand ils ont fait le logo, ils étaient fiers. Ils en ont fait des t-shirts, même pour eux-mêmes, pour se balader avec. Ok, ils en sont fiers. C'est comme ça que vous devez aborder le business. Et en fait, c'est comme ça que vous devez aborder tous les business. Tout simplement, pourquoi en dropshipping, ça changerait? Donc cette connerie de produit gagnant, de truc qui a l'air comme un process ultra facile qui se fait en deux clics. Putain, mais on vous présente la chose comme si c'était aussi facile que de monter un auto-entrepreneur en ligne. Voilà, tu vas ouvrir ton auto-entrepreneur sur Internet au même titre que tu vas choisir des produits gagnants et tu vas réussir dans ta niche. C'est pas vrai. Un business, c'est de la sueur et du sang, les mecs. C'est ça, un business. C'est comme une maman qui donne naissance à un petit.
ça s'est fait dans la douleur. C'est comme ça qu'on fait naître un business. Et après, il faut que ce soit votre bébé. C'est-à-dire que quand vous l'avez, les mecs qui changent de niche tout le temps, tous les 15 jours, ah, je vais faire ça. Les mecs n'ont rien, n'ont pas mis de cœur dans la première boutique. Parce que quand tu as mis du cœur dans un projet, tu le lâches pas aussi facilement. C'est comme ton bébé. Personnellement, cette chaîne YouTube, j'ai failli l'arrêter plusieurs fois parce que j'ai d'autres sources de revenus à côté. Je ne suis pas obligé d'avoir mes centres de formation. Je ne suis pas obligé de publier des vidéos YouTube. J'ai arrêté pendant un moment. Pour ceux qui savent, je n'ai pas publié pendant un an des fois parce que je me rappelle qu'au début, « Ah, mais ouais, mais tu dis ça, mais tu vends des formations sans les formations. » Je dis non, c'est une source de revenus comme une autre. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, notamment les débutants. Et puis un jour, ils ne m'ont pas vu pendant un an, deux ans. Je suis revenu, je leur ai dit... Alors, j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. J'aurais dit, est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Voilà, j'en ai pas besoin. Et au même titre que j'ai pas besoin de mes autres business. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau où j'ai assez capitalisé, j'ai assez investi pour me mettre en retraite. Je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, me mettre en retraite dans le sens où si j'ai un train de vie qui est mesuré, j'ai de quoi me mettre en retraite aujourd'hui, tout simplement. Parce que quand j'achète de l'immobilier, moi j'achète cash, je passe mon argent, j'ai pas de crédit sur le dos. Voilà, enfin, pour tout un tas de raisons, j'ai de l'argent de côté, j'ai investi dans d'autres choses, tout simplement. Et de toute manière, une chaîne YouTube, si je réussis là-dessus, tant mieux pour moi. Mais si je réussis pas sur YouTube, les gars, si je réussis pas en dropshipping, les mecs, si mes boutiques elles coulent d'un seul coup, ce serait juste impossible parce qu'avec tous les mails ciblés qu'on a, avec tous les clients fidèles qu'on a, c'est juste impossible. C'est ça que j'essaie de vous faire faire. C'est des bâtis avec des fondations qui ne peuvent pas être détruites. Mais même si je perds ça, je suis un homme d'affaires, tu me passes n'importe quoi. Je peux t'ouvrir un restaurant, tu reviens me voir. Dans 5 ans, j'ai 50 restaurants, j'ai fait une chaîne, je suis aux États-Unis, j'ai revendu la chaîne, etc. etc. Pourquoi? Parce que le secret, il est là. Je suis passionné de mon business, tout simplement. Je suis passionné de mon business. Quand je fais un business, je suis passionné. Je suis amoureux de mes business, tout simplement. Donc si vous êtes là pour ne pas kiffer, pour faire de la bricole, faites demi-tour, vous allez perdre du temps, vous allez être les guignolos, vous allez vous faire saigner par des marketeurs qui vous expliquent que tout est facile. Voilà, vous allez vous faire saigner en mentorat ou je ne sais quoi d'autre. Et vous allez pleurnicher à la fin. Vous allez vous retrouver sans rien, une main devant, une main derrière. Et vous allez tout simplement retourner à l'usine. Ouais, c'est une façon de parler, retourner à l'usine. Mais en gros, voilà ce qui va se passer. Okay, je vais me faire des petites longueurs après, tiens. Voilà ce qui va se passer. Alors que si vous êtes amoureux de votre business, ben vous n'allez pas le lâcher. Vous allez vous dire, mais putain, cette boutique, je vais la faire connaître. C'est comme ça s'appelle s'engager. Brûler les bateaux, couper les ponts. C'est comme ça que ça s'appelle. Tous les businessmen sont pareils. Je suis pareil. Quand je suis dans un projet, je m'engage. Je m'engage, je ne retourne plus en arrière. Il faut que ce soit les faits qui m'arrêtent. Okay, c'est pas mon mental qui va me dire « Oh ben non, j'arrête, Benjamin, j'arrête, etc. Okay » Donc le conseil et le besoin que vous avez, ce serait plutôt de partir dans un domaine qui vous plaît et que vous sentez bien. Au lieu de partir d'un postulat de produit gagnant qu'on vous met dans la gueule sans même réfléchir, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de faire ça. C'est-à-dire qu'on vous donne un produit, on vous met un produit dans la gueule, on vous dit « Tu vas faire ce produit. » Mais putain, mais vous êtes qui les mecs? Quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous avez dans les tripes? Putain, qu'est-ce que vous avez dans les tripes? Où sont passées vos burnes? Excusez-moi du terme. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Excuse-moi, quel produit est-ce qu'il faut lancer ce mois-ci? Ça fait 10 produits que le mec te donne et que tu t'es toujours pas rentable, t'as toujours rien entre les mains. T'as rien, t'as aucun truc duquel tu peux même être fier sans parler d'argent. Ok? T'as des monoproduits qui vont, qui viennent, tu refais des sites, tu refais des réseaux sociaux, tu crées pas de communauté. Tout ça, ça vous fait tourner en rond, tout simplement. Je pourrais faire une vidéo de environ 10 heures, je pourrais faire une conférence sur pourquoi partir du postulat de choisir un produit gagnant, c'est de la merde. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des produits d'appel, tout ça on en parle dans d'autres vidéos, on en parlera pour ceux qui nous rejoindront un petit peu plus en détail. Alors, je vais quand même pas vous laisser pédaler dans la semoule. Donc premièrement, kiffez, sentez bien votre sujet. Dites-vous, moi je vois bien une boutique comme ça, accessoires pour chiens, j'aime bien les chiens, et puis je vais pouvoir être fier de ça. Je vais dire, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thomas? Eh ben, moi, je m'appelle Thomas, et ben, je suis e-commerçant et j'ai une boutique pour les chiens. Ça réunit plus de... plus de 1500 visiteurs ciblés par jour, et derrière, on va peut-être construire autre chose, on va développer, on va s'associer avec des maîtres chiens qui font des vidéos YouTube. Bref, tu peux bâtir un vrai business. Salut, je m'appelle Fred...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les accessoires de football, voilà, machin, un truc, j'ai développé, ça s'appelle Fred Football, et c'est connu dans l'Europe entière. Ah, c'est ça le business, les mecs, c'est ça le business, ok. Donc premièrement, soyez fiers de votre shop, ok. Un produit, partant d'un produit gagnant, c'est pas ça être fier de son shop, c'est juste, en fait, vous êtes employé de la personne qui vous conseille ce produit gagnant, ok. C'est ça, regardez bien. Le mec vous ordonne quelque chose, aucune créativité entre-temps, rien du tout. Le mec vous ordonne quelque chose, c'est-à-dire que si ce mec n'existe plus, vous n'existez plus. Alors que mes élèves, quand ils se barrent, moi j'ai toujours dit, vous n'avez pas besoin de Benjamin Gassi, je vous entie, je vous donne le process, mais je vous apprends à penser par vous-même. Je vous apprends à devenir entrepreneur, à réellement devenir entrepreneur. C'est ça la grosse différence. Je vous mets pas du poisson dans la bouche comme ça, vous savez, comme pour faire bouger des otaries là, dans les spectacles pour qu'elles aillent chercher le ballon et tout. C'est pas ça qu'on fait. On vous forme à devenir entrepreneur. C'est complètement différent. Maintenant, derrière, pour moi, c'est pas très rentable parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que mes étudiants, une fois qu'ils sont sortis de mon programme, ils réussissent, ils ont leur boutique rentable et ils ont plus besoin de moi. C'est ça la réalité. Au même titre que les mecs qui vous proposent des groupes Facebook, des Discord, etc. Mais soyez pas cons. Un mec qui part, qui est débutant, il est sur le Discord pour se faire aider. Une fois qu'il a tout cassé, qu'il part vivre à Dubaï, qu'il fait le tour du monde, mais qu'est-ce qu'il en a à branler de retourner sur le Discord pour aider des débutants, des mecs qui ont commencé depuis deux jours? Vous rêvez ou quoi? Donc en fait, les groupes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des débutants qui parlent entre eux. Et donc, c'est de la merde. Personne s'entraide, tout le monde se tire vers le bas au lieu de se tirer vers le haut. Tout simplement, voilà pourquoi nous, on fait pas de groupe Facebook, etc. Les mecs, ça fait plus de 6 ans que je suis là-dedans. J'en ai eu des groupes Facebook sur le dropshipping, des gros groupes, des groupes connus de la France entière, etc. On a arrêté, c'est des débutants qui parlent. Il y a des débutants qui parlent avec des débutants. Il y a des mecs, on ne sait pas ce qu'ils font là. C'est des touristes, ils sont là pour faire des blagues, pour critiquer tout le monde, etc. Et troisième catégorie, tu as des chasseurs. Des mecs qui sont là pour vendre leur merde en affiliation, pour aller vendre des coachings en message privé à la con, alors que les mecs, ils sortent de nulle part, pour aller saigner des dindons, tout simplement. Et moi, mes élèves, je veux les protéger. Mes élèves ne seront pas les dindons de petits closeurs à la con qui viennent pour vendre leur merdouille, tout simplement. Voilà pourquoi on n'a pas ce genre de merde, de groupe Facebook, de Discord à la con. J'ai déjà essayé, comme tout le monde. J'ai vite vu que ça a aidé personne. J'ai vite vu que c'était un piège à imbéciles, tout simplement. Donc kiffez, soyez fiers de ce que vous faites. C'est ça le message de la vidéo. Et pour être fier, vous ne pouvez pas partir de l'idée de choisir un produit gagnant. Vous devez partir d'un shop, d'une marque qui vous fait rêver, de quelque chose de super stylé, d'un univers que vous allez créer. Ça doit être votre création, d'accord? Tout simplement. Vous allez voir que ça change la donne et vous êtes déjà en train de le sentir. Ensuite, visionnez votre business sur les 5 prochaines années. N'essayez pas de vous dire « Ah, faut que je me fasse 2000 de bénéf. » Ça, c'est un truc c'est un truc pour les ânes, en fait. C'est la carotte. Une petite carotte, comme ça, de jour en jour, t'avances. Tu regardes pas plus loin que le bout de ton nez. C'est les smicards et les bricolos du web. C'est comme ça que je les appelle. Visualiser sur 5 ans. Maintenant, je te dis pas que tu vas rester 5 ans avec ta boutique. Tu vas peut-être la vendre dans 2 mois. C'est pas le problème. Tu vas peut-être la vendre dans 6 mois si tu cartonnes. Et tu vas peut-être la garder 5 ans. Mais les actions et le bâti et la mise en place que tu vas faire, ça va être pour du long terme. Et qu'est-ce que ça donnera vis-à-vis de tes clients? Ça donnera une boutique puissante, un branding puissant, d'accord? Un branding puissant, qui dit rassurant, dit qui donne confiance, et qui dit qui donne confiance, dit qui convertit énormément, qui fidélise. Voilà ce qui nous importe. Donc visualisez votre business pour 5 ans. Pour ceux qui souhaitent un process complet à suivre, que je vous explique quel est notre process, comment est-ce qu'on s'y prend. On part toujours du choix de la niche. Mais là-dedans, on va vous donner un processus précis, d'accord? On va vous donner des documents à remplir pour obtenir, après une qualification de plusieurs niches, la niche qu'il vous faut et qui vous correspond. Et la niche qui vous passionne, mais également la niche qui est rentable. Ensuite, on enchaîne avec les produits. Allez voir tous les modules sur la page d'information. Vous avez une très longue vidéo. Merci à toutes ceux et celles qui nous feront confiance. On ne trahira pas cette confiance, vous le savez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ne vous faites pas avoir par ces fameux produits gagnants. C'est un petit peu comme la loterie, c'est un petit peu comme le loto, le vendredi 13, c'est pour pépé mémé, c'est pour les gros bofs, ce genre de truc, c'est pour attraper du pigeon, faites gaffe. C'était Benji, allez, ciao, ciao. Je vous finis comme ça avec la vue. Hop là, on n'est pas bien là, regardez. Je vais aller me faire quelques longueurs.